En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Nous sommes le lundi 21 décembre 2020. Et oui, plus que 10 jours avant la fin de l'année. Et comme période plus indiquée pour faire le bilan de l'année qui finit, vous aurez certainement beaucoup de mal à en trouver. Vous l'aurez compris, le débat de Nana FM se lance ce matin dans la série d'émissions consacrées au bilan de l'année, avec un premier arrêt ce matin au stand de la politique en cherchant à savoir ce qu'il faudrait retenir de cette année électorale. Et pour cette quête, je suis en studio avec Éric Dupuis, chargé de communication de l'Alliance Nationale pour le Changement, porte-parole du parti et conseiller spécial de Jean-Pierre Fabre. Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour Monsieur Afanou, bonjour Madame, bonjour Monsieur. Ce débat se fera avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Que faudrait-il retenir d'un point de vue politique de l'année 2020? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de l'Omé. Pour commencer, Éric Dupuis, la nouvelle est encore fraîche dans la tête de beaucoup, même si elle date d'il y a plusieurs jours. La libération de Brigitte Adjamagbo-Johnson et Gérard Djosso de la dynamique Podro. Comment avez-vous vécu en tant qu'acteur politique cet épisode, depuis l'arrestation jusqu'à la libération de ces deux acteurs? Avec un soulagement, un grand soulagement. Et je vais vous dire que si les diverses démarches du président Jean-Pierre Fabre ont pu contribuer un minimum, soit peu, nous ne pouvons que nous en féliciter. Il y a eu des démarches, vous n'en avez pas beaucoup parlé. Non, Monsieur Fabre n'a pas souhaité qu'on communique autour de toutes les démarches qu'il a entreprises pour accélérer la libération de nos amis, Madame Adjamagbo-Johnson et Monsieur Djosso. Je peux vous confier que lorsque nous avons reçu la lettre, entre autres, lorsque nous avons reçu la lettre du ministre de l'administration territoriale nous convoquant, nous invitant à une réunion sur la prochaine élection régionale, le président a répondu par courrier au ministre, et dans cette lettre, il regrettait la situation qui prévalait en ce moment-là, c'est-à-dire la détention de responsables politiques au moment où s'ouvraient les discussions. Et il a souhaité vivement que Madame Adjamagbo-Johnson et Monsieur Djosso soient libérés avant les discussions. C'est entre autres, donc je vous le livre, il n'a pas souhaité qu'on communique autour. Puisque maintenant c'est une réalité, nous pouvons lever un tout petit peu de voile autour de tout ce qu'il a pu faire. Et certains ont le sentiment que le soutien n'a pas été assez prononcé. Il y a quelques années, l'ANC aurait appelé à une marche, par exemple, pour exiger la libération de ces personnes. L'ANC ne vit pas dans les habitudes. Vous avez changé ? Non, on ne vit pas dans les habitudes. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas dans les habitudes qu'on a changé. On adapte notre lutte en fonction des circonstances. Certains ont été d'ailleurs surpris de vous voir accepter de vous rendre à cette invitation du ministre Boukwesi. Un communiqué l'a officiellement annoncé à vos militants et sympathisants. Pourquoi avez-vous senti cette obligation, entre guillemets, d'annoncer votre participation? Vous savez, la stratégie d'un parti politique appartient au parti politique. Si c'était linéaire et qu'on devait répéter ou rééditer les choses de manière constante, ce n'est pas la peine de faire de la politique, c'est d'annoncer dès le départ une ligne politique ou une stratégie et puis la suivre. C'est totalement aberrant, totalement inepte. L'ANC fait sa politique en fonction des stratégies qu'elle s'est données pour obtenir ce qu'elle attend. Maintenant, en ce qui concerne la détention de nos camarades politiques, vous savez que l'ANC a subi en 2013, d'abord plusieurs fois, nous avons été arrêtés, Jean-Pierre Fabre a été arrêté à plusieurs reprises, on a tiré dans sa maison en 2013. Nos camarades ont été inculpés, moi-même j'ai été inculpé,
Le président national est toujours inculpé. Mais plus sous contrôle judiciaire. Mais nous avons encore 5 camarades qui sont sous contrôle judiciaire, dont l'ancien député Menti. Donc, pour des crimes qu'on n'a pas commis, et il ne faut pas oublier que l'un de nous y a laissé sa vie, Monsieur Yakanou. Et aujourd'hui, aucune justice n'a été rendue. Donc, que pensez-vous de la famille de Monsieur Yakanou, ses filles, son épouse, jusqu'à présent, pourquoi il a été tué, pourquoi on l'a emprisonné jusqu'à le laisser mourir en prison? Il n'y a pas eu de clarification sur cette situation. De 2013 aujourd'hui, cela fait 7 ans. Donc nous demandons, et nous continuons à nous battre pour cela, qu'il faut que le régime RPT Unir arrête d'instrumentaliser la justice pour régler des problèmes politiques. Il faut que le régime RPT Unir accepte définitivement d'abandonner cette stratégie qui nous avilit, qui salit notre justice et qui avilit notre système politique. Alors, sur cette réunion, toujours avec le ministre de l'administration territoriale, dans les nouvelles habitudes adoptées par l'ANC, sur les réseaux sociaux, certains se sont demandé, est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus de préalable avant une quelconque rencontre avec les représentants de l'autorité ou du parti au pouvoir? Je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas des habitudes. Ce n'est pas parce que pour telle ou telle réunion, nous avons posé des préalables, que systématiquement des préalables seront présentés, seront exigés avant les rencontres. Vous savez, M. Jean-Pierre Fabre a écrit au chef du gouvernement, au chef de l'État, à plusieurs reprises par le passé, pour le rencontrer, discuter des problèmes qui minent notre pays. C'est un homme qui croit à la discussion, qui croit au dialogue, mais pas dans n'importe quelle condition. Vous avez expliqué qu'il n'y avait pas eu de retour favorable. Il n'y a pas eu de retour favorable, mais lors de notre dernier Conseil national, le Conseil a incité le président à continuer dans ses démarches. Donc, nous sommes toujours dans notre logique. Alors, que retenez-vous? De résoudre le problème, d'aider à résoudre le problème togolais, de manière à ce que, très rapidement, on arrive à ce que nous attendons tous, l'alternance politique. Alors, vous nous direz un peu plus tard dans cette émission la ligne à laquelle vos militants et sympathisants peuvent s'attendre de l'ANC pour 2021, parce que même si vous évitez de vous enfermer dans des habitudes, l'ANC a une certaine réputation, on y reviendra. Maintenant, sur cette réunion, sur le fond, les régionales, qu'est-ce que vous en retenez essentiellement? Vous savez, c'est très délicat. On parle de régional, mais on oublie que les dernières élections au Togo, tout à l'heure on en parlera quand on viendra à parler de notre appréciation de 2020, l'élection de 2018, les législatives, l'élection de 2019, les municipales et la présidentielle ont été des élections catastrophiques, jamais vues dans notre pays. On a atteint un summum de l'incohérence, de la violation même des droits de l'homme, inouïe. On en reparlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, on nous parle de régional. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est quasiment soumise au RPT Unir. Certains pensent que c'est le résultat du boycott de 2018. On continue, permettez. Quand on regarde les municipales sur 117 communes, il y a plus de 100 détenus par le RPT Unir. Vous allez me parler encore du boycott? Mais là, ce sont des résultats que vous avez apparemment acceptés. Je vous dis, vous allez me parler encore de boycott. Et quand on voit la présidentielle, no comment. Or, quand vous songez à mettre en place un Sénat, nous savons qu'en dehors des personnes qui seront nommées, pour ne pas dire nominées par le chef de l'État, les autres seront élus par les grands électeurs, à savoir les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Ça veut dire que si un dialogue sérieux, une discussion, parce que le dialogue est galvaudé quand même aujourd'hui dans notre pays, si une discussion sérieuse n'est pas menée en vue
en vue d'assainir le cadre électoral et de régler les problèmes qui minent notre pays, on va avoir 90-95% des conseillers régionaux qui seront élus. Ça veut dire que le Sénat serait à l'image de l'Assemblée nationale, et ce qui confirmerait l'état de dictature profonde de notre pays. Est-ce qu'on peut analyser votre participation par le fait que vous vous inscrivez dans le cadre de l'organisation de cette élection, mais en demandant au préalable une discussion sur le cadre électoral, comme vous l'avez expliqué? Non, quand on est allé là-bas, on a expliqué au ministre que nous sommes ouverts à la discussion, nous voulons discuter du cadre électoral, nous voulons discuter de la réforme des institutions qui interviennent dans l'organisation des consultations électorales. Nous voulons discuter également des mesures d'apaisement. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a toute une liste de choses que nous exigeons. Nous ne pouvons pas nous mettre autour d'une table pour parler seulement du cadre électoral. Notre pays est miné par des problèmes graves, et la cohésion nationale n'existe plus dans notre pays. Il y a une méfiance continue des populations, des politiques et de l'État. Depuis le 22 février dernier, on n'a pas le sentiment d'appartenir à un pays. Ça va à volo, le pays va à volo. On ne sait plus qui fait quoi dans ce pays. Il faudrait qu'un jour, quand même, nous puissions nous asseoir et en discuter. Si le ministre veut s'étantonner aux élections régionales, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous estimons que le comité préparatoire doit aborder tous les sujets que les partis politiques auront amenés sur la table et essayer de trouver une solution avant la discussion finale. Alors, est-ce que ce sont entre guillemets des menaces éventuellement? Ce ne sont pas des menaces. On n'y sera pas si les autres sujets ne seront pas abordés. Pourquoi vous voulez nous ramener toujours à une position telle que vous la décrivez? Je vous ai dit que la ANC n'a pas d'habitude, n'a pas... Nous, on ne peut plus parler d'habitude. Si vous en parlez, c'est parce que vous savez que... Non, c'est tout simplement parce que vous avez tourné la phrase, mais vous avez voulu dire la même chose. Nous nous adapterons en fonction de la stratégie que nous aurons déterminée. Vous savez, c'est Patrick Lawson qui nous a représenté à la réunion de cette réunion. Il a été clair, il a exposé clairement la position de l'ANC et il n'a pas posé de conditions. Il a dit, voilà, nous pensons que pour la réussite de ces discussions, il faudrait que nous parlions bien sûr du cadre électoral, mais que nous parlions également des institutions, que nous parlions également des mesures d'apaisement qui sont nécessaires pour que dans ce pays on puisse se parler sans se voiler la face. À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons qu'ils écoutent Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Éric Dupuis, chargé de communication de l'ANC, conseiller spécial de Jean-Pierre Fabre, en train de nous interroger. Que retenir d'un point de vue politique de 2020? Et la parole vous sera donnée, chers auditeurs, dans une dizaine de minutes à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors maintenant, je vais m'efforcer à garder le silence quelques minutes, vous laisser faire le bilan politique de cette année, vous à l'ANC, puisque le bilan c'est d'abord une affaire personnelle. On va vous écouter. Que retiendra-t-on à votre avis de 2020 d'un point de vue politique, Éric Dupuis? Merci beaucoup, monsieur Hassan. 2020 a été pour nous une année catastrophique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Togo n'a jamais connu des élections, je dis des élections, je ne parle pas que de la présidentielle, parce que on ne peut pas parler de la situation politique actuelle sans parler de 2018 et sans parler de 2019. 2018, on était dans une discussion sous l'égide de la CEDEAO et on a été totalement trahi, et tous les engagements qui ont été pris par certains chefs d'État, notamment celui de la Guinée, ces engagements n'ont pas été respectés. Raison pour laquelle la C14, à l'époque, avait décidé de ne pas prendre part aux législatives. Et vous savez que le plus gros perdant dans cette histoire, c'est bien l'ANC, qui avait
avant cela 18 députés qui se retrouvent aujourd'hui, être un parti extra-parlementaire. Bon, passons l'éponge. En 2019, pour la première fois depuis de longues années, il y avait des élections locales au Togo. Nous nous sommes préparés pour aller à ces élections sans attaquer personne. Puis, il y a eu l'intrusion de Mgr Poudreau, une intrusion catastrophique de Mgr Poudreau, qui, dans une église à la messe, a traité toute l'opposition de tous les noms d'oiseaux, et spécialement le président national de Judas, de quelqu'un qui s'empiffe, qui reçoit de l'argent, ainsi de suite. C'est totalement inhumain, c'est indigne, d'abord, de l'Église catholique, que Mgr Poudreau a représenté pendant de longues années dans notre pays, et c'est indigne du peuple togolais. Et les résultats, nous les connaissons. Cela n'a pas suffi. En 2020, ça a été le sommet. Le sommet de tout, c'est-à-dire que, pendant qu'on nous dit qu'aucun parti ne peut obtenir l'alternance tout seul, et qu'il fallait l'union de l'opposition pour travailler, pendant ce temps-là, on a tout mis en œuvre pour saccager, pour saquer, pour détruire toute l'opposition, un travail de longue haleine, de lourds sacrifices pendant des décennies, on a réduit cela à néant. On a réduit cela à néant. À telle enseigne que, dès le lendemain du 22 février jusqu'à aujourd'hui, aucun parti de politique de l'opposition n'a été en mesure de se redresser, de se battre contre ce régime, de se battre contre la fraude électorale du 22 février. Nous sommes tous d'accord pour dire que M. Faure Gnassingbé n'a pas gagné cette élection. Nous sommes tous d'accord pour dire que la fraude telle qu'elle a été organisée, telle qu'elle a été mise en œuvre dans ce pays, en 2020, nous n'avons jamais vu cela. Vous avez été plusieurs à réclamer les preuves d'une victoire ou d'une défaite également. Non, ce n'est même pas ça. Nous avons dit que les documents que nous avons en notre possession, il était difficile de dire que telle personne a gagné ou telle personne a perdu. Mais si vous estimez que tout a été fait pour que les résultats soient ce qu'ils sont. Mais vous allez dire quoi? Vous allez dire que telle personne a perdu, telle personne a gagné. Rappelez-vous, nous avons sorti 4 communiqués. Le premier communiqué a fait son constat. Le deuxième communiqué est rentré un peu plus dans l'analyse en disant que les résultats ne sont pas cohérents. Quand vous voyez dans un bureau de vote, par exemple, que le nombre de bulletins dans l'urne est largement supérieur au nombre de votants. Mais ça, ce n'était pas une première. L'ANC a toujours dénoncé ce genre de pratique depuis toujours. On a souvent dénoncé le nombre d'inscrits, le nombre de votants, ainsi de suite. Là, je vous dis, vous avez dans l'urne 100 bulletins ou 150 bulletins quand le nombre de votants, c'est 100. Donc, vous pensez qu'avec ces éléments... Ça s'appelle un bourrage d'urne. Donc, avec ces éléments, non. Vous n'êtes ni en mesure d'affirmer... J'ai dit que j'allais m'efforcer. Je savais que ça allait être difficile, mais bon, là, plus sérieusement, votre bilan... On ne va pas traîner sur ces détails-là. On a le sentiment que votre bilan est plus orienté vers les autres, ce que les autres ont fait, ce que l'ANC a subi, mais vous, personnellement, en tant que parti... Ce n'est pas nous. Non, ce que vous dites, c'est réducteur, ce que vous êtes en train de dire. C'est très réducteur. Votre rôle dans ce monde politique en 2020, qu'est-ce que vous en retiendrez? Monsieur Afanou, c'est très réducteur. Quand vous parlez d'une situation politique, vous ne pouvez pas parler de l'ANC seul. Nous sommes dans un univers politique et tous les partis politiques ont vécu quelque chose. Mais jusqu'ici, vous parlez surtout et beaucoup plus des autres. Mais c'est normal. Si vous m'avez empêché de parler pendant 8 mois et que pendant 8 mois je ne me suis pas exprimé, il faut que j'explique pourquoi je ne me suis pas exprimé. Si vous m'avez accusé de tous les maux
il faut que je dise que oui, vous m'avez accusé de tous les maux. Soit, il faut qu'on arrive au Togo à se dire la vérité. Donc vous diriez que 2020, ça a été beaucoup plus l'année où l'ANC a subi politiquement ? Est-ce que j'ai dit ça ? C'est une question. Est-ce que j'ai dit cela ? J'ai dit que l'année 2020 a été catastrophique pour toute l'opposition togolaise. C'est-à-dire, l'opposition togolaise a été ruinée, a été mise à néant. Et j'ai dit que les dizaines d'années de travail fournies par certaines personnes de l'opposition, je ne parle pas de l'ANC seulement, il y a d'autres partis politiques qui ont exactement le même sentiment que moi. Qui ont exactement le même sentiment. Et d'ailleurs, j'ai entendu sur des radios Antoine Fauvy s'exprimer, il n'a pas dit tellement autre chose. J'ai entendu le professeur Aimé Goguet s'exprimer, il n'a pas dit tellement autre chose. Donc, la différence n'est pas peut-être à l'approche, mais la conclusion est pareille. C'est-à-dire que l'opposition togolaise qui s'est battue, mais dans la main pendant des années, quelles que soient nos différences, cette opposition a été réduite à zéro. Tous les efforts ont été réduits à zéro en 2020. Et ça me fait mal, d'autant plus qu'en 2010, on a dit la même chose quand on a vu le rapprochement de M. Gilchrist Olympio avec le régime. Heureusement que l'opposition s'est ressaisie et a repris la lutte. Là, on se retrouve le lendemain, on a mis en place une structure, vous ne voulez pas que je parle des autres, une structure, cette structure-là, qui nous dit il faut qu'on soit ensemble ainsi de suite, c'est acharné sur l'existence des autres partis, c'est acharné à coups de mensonges, à coups d'inventions sur les autres partis. Je dis, si on refuse de se le dire, on n'ira pas loin. Il faudrait qu'on ait le courage de dire oui. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, il faudrait qu'on travaille ensemble autrement. Si vous voulez l'alternance, il faudrait qu'on soit cohérent dans la quête de cette alternance. On ne peut pas vous dire, il faut l'alternance, mais c'est comme ça seulement qu'on doit l'avoir. Je ne pense pas que ça soit bénéfique pour notre pays. Et aujourd'hui, cette situation a profité pour le RPT Unis, qui, depuis le 22, navigue sur sa pseudo-victoire, navigue sur la non-contestation de son régime, et il faudrait rapidement que les partis politiques se redressent pour reprendre la lutte. Et puis, on a constaté que les populations togolaises ont été meurtries, ont été cassées dans leur élan. Le militantisme a été brisé, en quelque sorte. Et je peux vous dire que c'est très difficile de remonter la pente. C'est très difficile de relancer la mobilisation. L'ANC s'y emploie et j'espère que tous les autres partis s'y emploient également et que très rapidement, on va pouvoir faire quelque chose dans notre pays. Alors l'intention qui est la mienne, c'est bien entendu que vous parliez des autres, mais aussi de vous, pour qu'on ait un aspect plus global de la chose et que la clarté se dégage pour les auditeurs. Loin de moi l'idée de vous empêcher de parler des autres. Avant de donner la parole aux auditeurs, comment est-ce que vous entrevoyez 2021? J'observe qu'à aucun moment vous n'avez évoqué le coronavirus depuis le début de l'émission. Quel a été l'impact de cette maladie sur la politique? Et 2021, à quoi est-ce que vos militants et la population en général devra s'attendre de l'ANC? Non, vous savez, vous me parlez de la corona-19. J'invite les populations à respecter scrupuleusement les conseils prodigués par-ci et par-là, parce que c'est une maladie qui est très très grave et très dangereuse. Bon, vous m'aviez posé la question sur la situation politique. Absolument, ce n'est pas un jugement. J'ai répondu sur la situation politique, mais la situation sociale, il y a de graves choses à dire également. Maintenant, vous m'amenez sur le terrain de la corona-19. La corona-19, ça a tué des gens, ça continue à tuer des gens. L'impact sur la politique au Togo. Nous avons un de nos amis, bon, il nous a quittés, mais il est rentré à l'UFC. Et je veux parler de André Johnson, que moi j'ai longuement côtoyé, pour qui j'ai de l'amitié, paix à son âme. Il est parti avec cette maladie-là. Donc, on ne peut pas rire de cette maladie-là. Sur la page Facebook, plusieurs pensent que les pouvoirs publics en ont fait un prétexte pour... J'allais en venir. Maintenant, quand on est dans un régime qui est spécialisé dans l'instrumentalisation des choses, on peut regretter que le régime actuel a instrumentalisé cette maladie. Vous avez eu ce sentiment aussi? Bien sûr.
les restrictions n'étaient pas justifiées pour... Je ne parle même pas des restrictions, même les restrictions. Quand on impose des restrictions, on respecte les populations. Vous savez combien de personnes qui ont perdu la vie, pas dû à la coronavirus, mais dû à la soldatesse togolaise. Là, nous sommes dans une période de couvre-feu depuis hier. Je crains pour la vie des Togolais. J'ai entendu le ministre Yark demander aux forces de l'ordre de respecter scrupuleusement les consignes, mais je ne suis pas tranquille parce que c'est cette brutalité que nous avons l'habitude, nos soldats ont l'habitude de cette brutalité, et je crains fort que pendant ces fêtes de Noël et de Nouvel An, des Togolais perdent la vie encore à cause de cette instrumentalisation de la police, de la gendarmerie, de l'armée et maintenant de la maladie pour réduire au silence nos populations. Alors à quoi s'attendre pour 2021 de l'ANC? L'ANC a repris ses activités depuis octobre dernier. On n'a pas arrêté nos activités, on travaillait. Mais nos jeunes ont commencé à investir le territoire. Malgré les restrictions qui nous sont imposées, petit à petit, nous allons sillonner toutes nos fédérations. Nous en avons quand même pas mal. Nous allons les rencontrer. Et nous allons organiser petit à petit des meetings d'explication, des mobilisations. Et j'espère que très rapidement, toutes nos structures seront en ordre de bataille. Le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58, la parole est maintenant à vous, chers auditeurs. À votre avis, que retiendra-t-on de 2020 d'un point de vue politique? Premier auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gallo, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, monsieur Bouti. Allez-y, bonjour, vous monsieur. Bon, vous savez, avant les élections de 2020, j'avais lancé un appel sur une radio que toute la classe politique, Jean-Pierre Adjamobo, de se mettre en rang pour aller voter pour le président fort. C'est un boycott actif pour écrire à l'ONU qu'au Togo, il n'y a pas d'élection, mais nous sommes attendus pour un mandat confié. Si les gens avaient écouté M. Gallo, est-ce qu'on aura ce problème aujourd'hui? Restez, bonne journée. Bonne journée. Le 91-09-71-71, auditeur en ligne, allô? Oui, allô. Bonjour, Monsieur Pelé. Bonjour. À votre avis, que retiendra-t-on de 2020 d'un point de vue politique? Oh, de beaucoup de choses. Bonjour, monsieur Rigipi. Bonjour, monsieur. Bon, je pense que tout à l'heure, monsieur Rigipi nous dit que je le salue d'abord pour les démarches qu'ils ont faites pour la libération de personnes de la DEMCA. Bon, j'aimerais directement dire que cette démarche de monsieur Jean-Pierre Fabre ne peut pas aller directement vers Agbome pour son retour. Et si cela doit se faire, est-ce que ça ne peut pas être pour venir récupérer son fauteuil, ou bien c'est pour revenir pour que l'ANC et la DMK fassent la lutte ensemble? Alors récupérer quel fauteuil, M. Pelé? Qu'est-ce que M. Agbome demande? Oui, mais c'est-à-dire, pour comprendre, vous voulez que l'ANC agisse pour le retour d'Agbome Kodjo et travaille à son installation en tant que président de la République? Mais vous avez, M. Pelé, vous avez écouté M. Dupuy, il dit que les éléments en leur possession ne leur permettent pas de dire clairement si que tel a perdu ou que tel a gagné. Bon, est-ce qu'il va le faire pour venir pour que l'ANC et la DMK fassent la lutte ensemble pour affronter ce régime? Merci. Deuxième préoccupation. Malheureusement, M. Pelé, on aimerait donner la parole au plus grand nombre d'auditeurs possible. Merci de le comprendre. Auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour, M. Afanou. Bonjour, Félix, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je salue M. Ndipu. Bonjour, monsieur. Bon, l'année 2020, politiquement au Togo, c'est une année de mensonges au dos du Saint-Esprit. C'est une année de calomnie et c'est une année aussi de répression du côté du pouvoir. Parce que le pouvoir prend le coronavirus sous prétexte que le coronavirus est le seul, le Togo est le seul à avoir le foyer de contamination. Or que les autres pays sont, bon, les contaminés sont nombreux plus que ceux qui sont au Togo. Mais au Togo, bon, pas de rassemblement. Donc, sur le plan politique au Togo,
et l'année est tellement catastrophique, comme l'a dit Monsieur Eric Dupuy. Et je dirais aussi que Monsieur Afano, je demanderai à Monsieur Eric Dupuy de ne plus, et c'est une doléance, de ne plus répondre à certaines questions et pièges. Du genre. Merci. Oui, du genre de la dynamique, du genre Monsieur Adomé, Fouteuil et ces trucs-là, bon. Bien, merci Félix. Il faudra me donner votre appareil pour détecter les questions pièges. Hein. Nous allons prendre encore un auditeur en ligne. Allô. Bonjour, Antoine. Bonjour. Monsieur Lawson Casablanca, comment allez-vous? Ça va bien, vous, madame? Ça va, merci. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Bonjour, monsieur. Que retiendra-t-on de 2020 d'un point de vue politique? Oui. Antoine, vous savez, cette année 2020, au Togo, à part les exercices contorsionnistes du pouvoir FPT unique, dont nous sommes habitués, c'est l'introduction inopportune. La foi, la crise. La politique togolaise. La liaison se détériore. On vous a perdu au niveau de cette introduction de. On n'a pas compris l'introduction de quoi? Allô? La foi, la religion. Dans la religion. Nous sommes dans une république laïque. Un État laïque. Dans un État laïque, lorsque la foi prend le dessus de la loi, le pays est en danger. Mais Monsieur Lawson, je me rappelle, oui, Antoine, à un oui. moment donné, vous aviez demandé l'intervention de la conférence des évêques du Togo pour réclamer un certain nombre de choses, les réformes et autres. Vous êtes là? Oh là là. Le peuple souverain. Bien, malheureusement. Le problème là a amené le Togo la lutte. Je ne sais pas comment dira quelqu'un 100 ans en arrière. Bien, merci. On a compris votre position, Monsieur Lawson. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Ce sera le dernier pour le compte de ce débat. Le 91-09-71-71. Allô. Allô. Bonjour. Bonjour. Max, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Dupuy, bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai 3 questions pour vous. Allez-y. Première question, la stratégie pour la mutualisation des efforts pour une union de l'opposition, quand nous savons tous que le vrai ennemi de l'opposition, c'est l'opposition. Deuxième question, quand vous dites qu'avec les résultats en votre possession, vous n'avez pas la possibilité de dire celui qui a gagné, est-ce que lors des élections, quand de telles cases se présentent, est-ce qu'il ne faut pas passer au deuxième tour? Troisième question. La CEDEAO. Si l'ANC arrivait au pouvoir, est-ce qu'elle va collaborer avec cette institution? Merci. Ça ne doit pas être une question piège, ça, M. Dupuy. On va commencer avec lui. Max a posé 3 questions. D'abord, la mutualisation. Quand on sait que c'est ce qu'il déclare, l'opposition est sa propre ennemie. Oui, l'opposition est sa propre ennemie, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que ce qu'on a vécu en 2019 et en 2020, c'est que une certaine opposition, ou un certain groupe de partis politiques, s'était donné comme objectif la destruction de toute l'opposition et de tout le travail qui a été fait tout à l'heure. Vous pensez que c'était l'intention depuis le début ou c'est les conséquences d'un certain nombre de choses de propos? Vous savez, la question que je me suis posée longtemps, c'est à savoir si c'était fait sciemment ou si c'était une maladresse. Mais quand je mûris ma réflexion, je me dis que ce n'était pas du tout une maladresse, mais une stratégie bien huilée, bien montée, qui a échoué. C'est tout. Et c'est malheureux. Qu'elle a vraiment échoué. Et c'est malheureux parce que une stratégie. Quand votre l'auditeur, votre auditeur disait tout à l'heure que l'opposition est sa première ennemie, il n'a pas tort. Chez nous au Togo, quand on voit que vous êtes en train de faire un travail, que vous progressez, on s'acharne à vous faire tomber. Vous savez, quand on était petit, on s'asseyait à la plage, il y a quelqu'un qui vous creuse dans le sable derrière pour que vous tombiez dans le trou pour rigoler. C'est à peu près la même stratégie que ce qui a été développé.
On nous a dit l'unicité d'action, l'unicité du mouvement, candidature unique pendant ce temps-là. Si c'était une stratégie honnête, sérieuse et responsable, on abandonnerait les insultes, les dénigrements, les mensonges, ainsi de suite. Et puis, on essaiera de voir comment on peut rassembler tout le monde. Or, la première stratégie a commencé par la destruction même de toute l'opposition autour. Donc, une stratégie unitaire, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est difficile. Maintenant, sur l'introduction de la religion, on en a parlé tout au long de cette émission. Vous partagez le point de vue de M. Lawson qui pense que ça a été le désastre? Bien sûr, M. Lawson a dit quelque chose de fondamental. L'intrusion de Mgr Kodjo, parce que lui, il a parlé de la religion. Moi, je dis de Mgr Kodjo dans la politique togolaise a été un désastre. Donc et la religion peut intervenir, Et il a dit que ça a fait reculer l'opposition de plus de 50 années de lutte. Et je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est une réalité. Maintenant, que la religion donne son avis sur l'actualité politique, c'est tout à fait normal, parce que les curés, les évêques sont des citoyens. Ils ne s'immiscent pas dans la politique, mais ils ont le droit de donner leur avis, puisque ce sont des citoyens. La dernière lettre pastorale des évêques a dit que les élections au Togo n'ont plus de sens si rien n'est fait. C'est un constat de l'Église catholique. Parce que aujourd'hui, les élections que nous avons connues depuis 2019, 2018, jusqu'à aujourd'hui, ont enlevé tout sens à l'élection. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... Si demain on invite les populations à une élection, les gens n'iront pas parce que ils sont totalement déçus, démotivés et ils n'y croient plus. Et l'Église a le droit de le dire. Par rapport à la CEDEAO. Mais l'Église, ce n'est pas son rôle de jouer un rôle, le premier rôle politique. Mgr Kodjo, non seulement s'est attaqué à tous les partis politiques et notamment à l'ANC, mais il a fait campagne avec M. Abayomi. Là, il a quitté sa soutane d'évêque pour arborer son chapeau d'homme politique. Il faut le dire. Donc, je suis parfaitement d'accord avec M. Lawson dans son analyse. Félix pense qu'il y a eu des mensonges autour du Saint-Esprit. Pas seulement autour du Saint-Esprit. Il y a eu des mensonges autour de Jean-Pierre Fabre. Il y a eu des mensonges autour d'Isabelle Améganville. Il y a des mensonges et des insultes autour de moi. La preuve de M. Alognon tout à l'heure encore. Donc, vous savez, on baigne dans le mensonge. On baigne dans le dénigrement. C'est dans les insultes. La CEDEAO pourrait aider à transformer la politique dans la sous-région. Non, la question n'a pas été celle-là. Justement, c'est pour éviter un débat inutile. La question a été si la ANC ferait. Non, la CEDEAO est une institution régionale. Bon, elle existe. Elle a ses mauvais côtés, ses bons côtés. Nous, à la ANC, nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Qui vous a donné raison sur un certain nombre d'éléments. Mais nous avons encore deux saisines qui sont en cours sur l'invalidité de la candidature de M. Fournier-Sibé et sur la non-conformité de la constitution de la Cour constitutionnelle. Donc la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas encore répondu, mais on espère qu'elle va rendre justice. Voilà. Bon, maintenant que si demain on est au pouvoir, on contribue à l'amélioration ou à des réformes profondes de cette institution régionale, oui, nous allons œuvrer pour que cette institution régionale travaille autrement, soit une institution au service des peuples et non au service des chefs d'État. Alors, on devine la réponse à la question de M. Pelé qui veut savoir dans un premier temps, est-ce que vous travaillerez au retour d'Abayomi Kodjo, est-ce que vous collaborez avec la dynamique Kodjo? J'ai l'impression que M. Pelé mélange un peu tout. Vous lui avez d'ailleurs donné la réponse en partie. Si je dis que l'ANC ne peut pas se prononcer sur cette élection parce que nous avons atteint le summum de la fraude électorale, on chasse les gens des bureaux de vote, on fait systématiquement ce qu'on veut, les résultats ne sont pas conformes, la Cour constitutionnelle a donné trois résultats différents en revenant sur les décisions. Donc tout ça, là, ça fait tellement de... C'est tellement ridicule que de dire que telle personne a un fauteuil ou pas, je pense que la question est malvenue. Nous disons que si on devait être sérieux dans ce pays,
il faudrait reprendre cette élection. Et je dirais à M. Pelé que quand on écoute dans la vie, on écoute avec les deux oreilles. On écoute avec les deux oreilles et non avec une seule oreille. La position, votre mot de la fin. Notre position est claire. Notre position est claire. La dynamique Coudreau a fait beaucoup de mal à l'opposition. S'il écoute avec l'autre oreille, il aurait compris, il aurait su. Hein? Nous, ce n'est assez, hein? Ce n'est assez. C'est ce qu'on dit en effet. Merci. Maintenant, le mot de la fin. Je pensais que c'était celui-là. Je voudrais souhaiter, vivement souhaiter, parce que je n'aurai peut-être pas d'autre occasion pour le faire. Nous sommes le 21 décembre aujourd'hui. De bonnes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année aux Togolais, malgré le couvre-feu, malgré la tristesse ambiante dans laquelle nous avons passé cette année, tant sur le plan politique que sur le plan sanitaire. Et je leur demande au peuple togolais de respecter scrupuleusement le couvre-feu pour qu'il n'y ait pas de nouvelles bavures. Je vous remercie. Merci Éric Dupuis d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'ANC et conseiller spécial de Jean-Pierre Fabre. Antoine Tété-Oméni était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afano. Le débat de Nana FM vous retrouve demain matin, 7h15.